on a entendu il y a un championnat. Et on a fait un petit championnat chez Toolstation entre tous les charistes et j'avais gagné, et du coup je suis là. Je me suis inscrit au championnat des charistes parce que mon responsable m'a proposé de relever le challenge. Je ne connaissais pas et voilà, c'est une découverte pour moi, c'est une première expérience on va dire. Ça fait la quatrième année que je m'inscris. C'est une façon de me servir du chariot d'une façon différente par rapport au monde du travail. Et c'est juste pour me confronter aux autres charistes des autres sociétés. Et puis il y a toujours une bonne ambiance, donc c'est agréable de revenir. C'était parce que l'année dernière, j'avais passé un très très bon moment. Et du coup, c'était pour renouveler ça. Et mon entreprise a envie de pérenniser aussi le fait d'inscrire des charistes chaque année. Pour me tester moi personnellement, et parce qu'il y a une bonne ambiance, on l'avait fait l'année dernière avec mon collègue. Pour découvrir, parce que je ne connaissais pas. Donc voilà, ça fait une découverte, une expérience en plus. L'épreuve que je préférais, c'est sûrement les chargements et déchargements du palette. C'est des plus simples et des plus rapides. L'épreuve que j'ai préférée, c'est rentrer dans le camion avec la structure et le ballon. L'épreuve du casse-tête, même si elle était un peu compliquée, elle est nouvelle par rapport aux autres années. Et c'est vrai qu'il faut aller assez vite et être très précis. Le casse-tête chinois, c'était une nouvelle épreuve. Il fallait réfléchir un peu, tactique, précise. Très bonne épreuve. Le foot. Celle qu'on a moins l'habitude de faire au travail. Ce que j'ai le moins aimé aujourd'hui, il y a les paniers de basket. Ils sont assez compliqués en soi, mais sinon après c'est super intéressant. Le passage de la structure sur le bout. C'est des tirs au bout, c'est sûr. C'était compliqué avec un ballon qui ne sont pas ronds et des terrains qui ne sont pas plats. L'épreuve du saut. Celle-là. C'est un peu compliqué. Il faut aller doucement et il faut gérer l'eau à l'intérieur, donc c'est pas celle que je préfère. Les paniers de basket, c'était par déduction.